Les Italiens en sueur, vas-y, on fait genre un végé tiramisu dans le camion. Vous m'avez vu manger ça en live et vous m'avez demandé la recette, j'en ai refait un. Alors c'est parti pour ça, rien de compliqué, des petits gâteaux boudoir. On va prendre du sirop de rose, qu'on va diluer avec un peu d'eau pour faire tremper nos gâteaux boudoir. Je sais, il y a des œufs dedans, mais végé, ça veut dire végétarien. J'ai un petit peu de menthe dans le camion, du coup on va en mettre un petit peu à l'intérieur. On va les ciseler toutes fines, le plus fin possible. Je vais les mettre dans un verre et je vais rajouter un petit peu de sirop de rose et un petit peu d'eau pour que mes gâteaux boudoir soient imbibés, mais pas trop. Comme d'hab, c'est une recette à l'arrache, du coup il n'y a pas de quantité. One again, beast of fly, hello. Ensuite, moi je vais mettre du yaourt d'amande. La reine mère, elle l'avait trouvé en promo, tu en es allé partout sur tes gâteaux boudoir. Ça, c'est les framboises de la reine mère aussi qu'il fallait que je mange, je les mets dessus. Dans un petit pot, je vais mettre des graines de chia, du yaourt, ça va permettre d'épaissir le mélange. Un petit peu de confiture de framboise pour sucrer le tout. Je viens mélanger et je viens rajouter mon mélange par-dessus. Ensuite, pour faire un effet tiramisu, je vais utiliser de l'açaï, comme pour le cacao. Mais si t'en as pas, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Je mets tout ça au frigo au moins 4 heures. Et voilà, c'est prêt à déguster. Franchement, c'était simple et rapide à faire, je l'ai fait avec vous en live. Et waouh, franchement, c'était vraiment trop trop bon, je suis trop content de cette recette.